Coucou. Bon, je viens vous faire mon petit retour de course. Pas beaucoup, hein. J'étais à Leclerc. Je n'ai même pas été à Action, hein. Je suis raisonnable en ce moment. Je ne vais pas à Action du tout, du tout, du tout. Parce que je me dis, je vais dépenser et ça sert à rien. Là, je vois que je n'ai pas rempli un petit bulletin. Tant pis, il y avait un petit bulletin à mettre dans. C'est un jeu, un jour, un cadeau. Bon, je ne l'ai pas fait, tant pis. Bon. Donc j'étais à Leclerc, je vais vous faire mon petit retour de course, hein, comme je fais d'habitude. Je me suis placée autrement parce que ça ne va pas. Donc qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris 5 sacs de litière pour Camille, comme ça. Parce que c'est vrai que la litière, c'est pas marrant à ramener de chez Leclerc à chez eux. Donc je leur ai dit, bah, je vais vous en ramener. Là j'en ai déjà pris 5 paquets. Et la semaine prochaine, je reprendrai 5 paquets, 5 ou 10 paquets. Je ne sais pas, je vais leur faire le plein dans la voiture. Et comme ça, ils auront de la litière pour un petit moment. Voilà. Donc la litière, je crois que c'était pas bien cher. C'était même pas 1 € le paquet, je crois. Est-ce qu'elle l'a marqué au moins? Oui, litière. Oui, c'est 99 centimes le paquet. Alors, je vais leur en reprendre encore au moins une dizaine de paquets. Et puis j'ai pris du bois d'allumage aussi, parce que ça, j'en ai toujours besoin pour allumer un petit peu mon feu, malgré que j'en ai du petit. Mais il me faut quand même du petit bois bien sec pour allumer. Et ça, c'était 2,90 le sac de 20 litres. Donc j'en ai pris 3. Voilà. Bon, ça c'est fait. J'ai pris du lait qui est là. 4,20 les 6 litres de lait. Ensuite, j'ai pris. Alors. J'ai pris du raisin. Je vous donnerai les prix après, hein. J'ai pris du raisin, comme je prends d'habitude. Là, il est super bon celui-là. Il est sans pépins et j'aime bien. Voilà. Ça. Je me suis repris des petites baguettes comme ça à faire au four, c'est super bon. J'en avais acheté l'autre jour et j'ai trouvé que c'était bon, donc je m'en suis repris 3 petites demi-baguettes comme ça au lardon. Voilà, ça c'est le café, je vais vous montrer mon café. Après j'en ai pris 3, voilà. Donc c'est là. Allez, on va y arriver. Bon, je vais sortir comme ça et je vais vous dire ce que j'ai parce que. Voilà, j'ai pris du café pour la Dolce Gusto, du cappuccino. Voilà. J'ai pris du café au lait normal, hein, comme je prends d'habitude. Et je me suis pris là, je me suis pris aussi du latte macchiato. Voilà, pour changer un petit peu. Celui-là, il est bon, je sais qu'il est très bon. Donc ça m'en fait trois paquets. J'ai quand même largement quoi faire. Je me suis pris un petit jus d'orange comme ça. Je vais vous donner les prix après, hein. Donc de la limonade, j'en ai pris 2. Alors mon ticket, il est là. Voilà. Ma télécommande, je vais la laisser là pour pas la perdre. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Mes fameuses rillettes au poulet. J'ai donné envie à mon autre belle-sœur et mon beau-frère à manger parce qu'elle m'a dit, eh ben, nous maintenant, on mange aussi des rillettes au poulet. Donc voilà, j'ai pris ça. Je me suis pris des petites pommes de terre grenaille. Comme ça, j'aime bien pour faire dans l'huile. Ou même comme ça, faire cuire à l'eau et manger avec du beurre. J'aime bien. Petite grenaille. Je me suis pris une petite boîte d'haricots verts parce que je mange pas beaucoup de légumes en ce moment. Donc j'ai dit, il faut quand même que je mange un petit peu de légumes. Je me suis pris mes fameux blinis avec cette fois-ci j'ai pris des petits œufs de lamp, j'avais envie de me faire des petits toasts avec du beurre et ça, et mon fameux tarama au saumon. Voilà, et ça, je me suis pris une petite soupe, une bisque de homard fabriquée en Bretagne, préparée à partir de homard bleu pêché à l'Atlantique. Non, je m'en suis pris juste une petite bouteille comme ça de. Alors, il marque 490 grammes, ça doit être 50 centilitres, je pense. Ouais, je pense. Voilà. En tout cas, c'est pas un litre, hein. C'est juste. Voilà, je me suis pris ça, je vous donnerai le prix après. Je me suis repris une petite salade catalane. Comme ça c'est bon. Si j'aime bien me faire ça. Et j'ai un deuxième sac, mais j'ai pas pris grand-chose. J'ai un deuxième sac. Là, je me suis pris des parmentiers de cabillaud de chez Marie. Voilà. Alors, ensuite, je me suis pris des clémentines.
vais remettre dans le sac. Je me suis pris mes petits œufs en gelée. Hein, ça, c'est 1,90. Ça, vous connaissez le prix parce que je vous l'ai déjà donné plusieurs fois. Je me suis pris du muesli en vinaigrette. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Oui, j'ai pris aussi des petits gratins dauphinois comme ça. Ça change un petit peu de ce que je mange d'habitude. Puis comme je ne sais plus quoi manger, il faut bien que je mange quelque chose. Je me suis pris des petites îles flottantes. Voilà, il y en a 4 dedans. De toute façon, je vais y retourner la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, ben, j'ai ma coiffeuse lundi matin et lundi après-midi, je porte la voiture chez Noroto pour faire la révision, l'eau, l'huile, le gonflage des pneus et me changer mes essuie-glaces parce que mes essuie-glaces, ils essuient plus grand-chose. J'irai sûrement lundi, je retournerai sûrement faire 2-3 courses. J'ai pris des petits croissants, il y en a 14 comme ça. Hop, je me suis pris des champignons pour mettre en vinaigrette, ça c'est bon aussi. Voilà, je me suis pris un petit concombre. Hop, j'en pose un peu partout, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je me suis pris? Du cœur de laitue, donc j'ai de quoi faire pour le week-end. Hein. Vous voyez, je vais pas mourir de faim. Je me suis pris mon petit fromage de chèvre et pour finir. C'est tout. Alors là, j'en ai jamais acheté de ça, mais ça me faisait envie. Vous savez, j'aime bien tous ces trucs là. Langue de porc en gelée. Alors le paquet là, il est à 3,34. Ouais, c'est ça, 3,34. Il y en a 300 grammes et c'est 10,90 € le kilo. Alors c'est des petites tranches comme ça. Il y en a 3 tranches de langue en gelée. La langue de porc en gelée. Donc ça peut pas être mauvais, je pense, ça, une petite tranche. Même sans manger toute la tranche, mais au moins j'ai la moitié. Enfin, je vais voir. Ça me donnait envie. J'aime bien ces petites choses-là. Il n'y a pas de gras, il n'y a pas... Non, je vais voir. Voilà, bah, c'est tout ce que j'ai acheté aujourd'hui. Peut-être que lundi, je retournerai, mais peut-être pas... Ah bah si, j'irai à Leclerc, parce que si je reprends de la litière... Parce que c'est lourd, hein, quand même. Il faut quand même... voilà. Donc, alors... Né à petit haricot vert, c'est 63 centimes la petite boîte, là, que j'ai pris. Salade catalane, c'est 1,59. Les croissants, c'est 2,19. Alors, Dolce Gusto, café au lait, c'est 1,65. Nescafé, Dolce Gusto, non, c'est 3,65, j'ai 1,65. Le Dolce Gusto cappuccino, c'est 3,66. Mais par contre, le latte macchiato, c'est 4,07. C'est un petit peu plus cher. Donc, 4,37 et 3,10. J'en ai quand même pour 12 € de... Ah ouais, à peu près 12 € de café. Bon, enfin bon. Alors, les petites clémentines, on peut faire du jus d'orange. Hein? Jaffadène, jus d'orange. Ah non, Jaffadène, c'est le jus d'orange. J'ai 1,35. La limonade, c'est 64 centimes la bouteille. La litière de chat, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 99 centimes. Le bois d'allumage, c'est 2,90. Le lait, les 6 briques, 4,20 €. Le petit crottin de chèvre, 2,77 €. Les îles flottantes, 1,64. Alors, les blinis, c'est 1,35. Les œufs de lin, c'est 1,99. Le tarama, c'est 1,17. La bisque de homard, c'est 2,95 € la petite bouteille. Alors, après, les rillettes de poulet, c'est 2,45. La langue de porc, je vous l'ai dit, c'est 3,34. Trois baguettes surgelées, la alsacienne au lardon, c'est 4,60. Les petits mini gratins, c'est 2,45. Il y en a 4 dedans. Ça le fait, ça. Le petit concombre, c'est 1,10. Le cœur de laitue, c'est 2,19. Le raisin blanc, c'est 4,99. Les champignons, 1,99. Les petites pommes de terre grenaille, 1,99. Les clémentines, 2,99. Les œufs en gelée, c'est 1,90. Ça, ça ne change pas les prix. Parmentier cabillaud Marie, 3,95. Et le petit museau de porc lyonnais Martinet, 300 grammes. Le museau de porc en vinaigrette, là. Ça, c'est 2,15. Voilà. Bah, écoutez, hein, j'ai pas grand chose, mais ça monte. Voilà. Donc, je vais ranger tout ça et je vais vous faire l'ouverture du calendrier de l'Avent du 9 et du 10 parce que j'ai pas fait. Alors, je ne sais pas laquelle paraîtra en premier, je ne sais pas, je vais déjà charger celle-ci. Je vais ranger et après, je tourne mon calendrier de l'Avent du 9 et du 10. Voilà.
Et parce que hier, j'ai pas eu le temps et puis j'avais pas envie surtout. J'avais pas envie de le faire. Hier, j'avais envie de rien. Donc, c'est souvent en ce moment. Je crois que c'est le mois de décembre. Ça va être un mois de décembre assez dur. J'ai envie de pas grand-chose. Là, il faudrait que je fasse mes paquets à cadeaux aussi. Ils sont pas faits. Enfin, j'ai le temps encore. Et puis, en plus, je dois recevoir des choses que j'ai toujours pas reçues. Donc, ça commence à me monter sur le système. Mais enfin, bon, j'espère que ça va arriver. Et puis, voilà, c'est tout ce que je peux vous raconter. Alors, il y a du vent, il y a du vent, il y a du vent. Cette nuit, il y avait du vent, mais du vent, de la pluie. Je me demandais ce qui se passait. Je croyais qu'on était en train de fouiller dans ma voiture, mais non, c'était le vent qui soufflait bien. Voilà. Donc, là, sur ce, je vais vous faire un gros bisou. Je vais ranger tout ça. Et je vous tourne le calendrier de l'Avent du 9 et du 10. Voilà. Bon, écoutez, je vous fais un gros bisou, comme d'habitude, hein, à la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Et le blablabla, et le blablabla. Voilà, allez, je vous fais un gros bisou et à la prochaine vidéo. Bisous.